Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, d'accord? Mets la petite cloche. Voilà. On est à Toronto. Hein, avant on était à Montréal, maintenant on est à Toronto. Bon, pareil, je sais pas si tu peux voir, je me suis mis à un endroit tranquille pour pouvoir tourner des petites vidéos. Maintenant que ça c'est fait les gars, passons directement au sujet de la vidéo. Comment être heureux, 4 clés à mettre en place dans sa vie. L'erreur que la plupart des gens font, c'est de courir constamment après le bonheur. Ça veut dire quoi? Tu cours constamment après le bonheur et du coup tu vas tomber dans un piège où à chaque fois que tu vas fixer des objectifs pour pouvoir atteindre ton soi-disant bonheur, tu vas juste l'atteindre. Et lorsque tu vas l'atteindre, en fait, tu vas avoir un autre objectif, etc., etc., etc. Donc, si jamais à chaque fois tu attends d'avoir un objectif pour pouvoir atteindre le bonheur, ben en fait, tu auras toujours l'impression de courir après le bonheur. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas tout simplement être frustré. Par exemple, quand tu as un travail, en général, bon ben, tu veux un meilleur travail. Donc, tu vas chercher un meilleur travail, tu vas dire voilà, je serai mieux, je serai plus heureux avec quand j'aurai un meilleur travail, etc., etc. Quand tu vas commencer à gagner de l'argent, tu vas dire bon ben, ok, là j'ai commencé à gagner cet argent là, mais maintenant je veux un peu plus parce que je serai plus heureux, etc., etc. Donc, ça, c'est l'erreur que on le fait, c'est l'erreur qu'on fait lorsque on pense que c'est en ayant plus qu'on va avoir plus de bonheur. Donc, comment faire pour pouvoir être heureux? Ben, en fait, 90% du bonheur est lié à la manière dont tu perçois ton environnement et non lié par rapport à l'environnement lui-même. D'accord? Donc statistiquement, scientifiquement, ça a été prouvé que 90% du bonheur est lié vraiment à la manière dont tu perçois le bonheur. Donc maintenant, comment ça doit se passer? Eh ben, c'est tout simplement qu'il faut que tu aies de la gratitude pour le moment présent, pour ce que tu as déjà eu. Repenser aux expériences, aux bonnes expériences que tu as eues, avoir de la gratitude pour ce que tu as, parce que tu as l'eau courante, c'est peut-être des trucs basiques pour toi, mais prendre conscience et se focus sur ça, eh ben, ça peut te permettre d'avoir de la gratitude, à être déjà content de ce que tu as déjà, d'accord, sans être omnubilé par tes objectifs. Sans annihiler tes objectifs, évidemment, parce que voilà, l'objectif aussi est l'une des manières de se sentir épanoui, c'est de grandir. Donc, tu auras toujours besoin d'avoir des objectifs pour pouvoir grandir, mais tu n'as pas besoin de ces objectifs-là pour pouvoir être heureux. D'accord, tu peux être heureux en ayant de la gratitude dès aujourd'hui. D'ailleurs, heureusement. Et l'avantage que ça aura directement dans ta statistiquement, tu seras plus productif de 31%. Ok, donc maintenant, dans ton quotidien, on va voir ensemble 4 clés à mettre en place pour pouvoir être heureux. Première chose, c'est ce qu'on a vu déjà ensemble, c'est avoir de la gratitude. Tu te rappelles tous les jours 3 éléments pour lesquels tu as de la gratitude, 3 éléments pour lesquels tu es content d'avoir vécu ça. Tu vois, d'avoir vécu ces expériences-là. Et tu te les remémores comme ça, tu te les remémores pour pouvoir vraiment revivre en fait cette situation-là. Donc là, tu vas vraiment être heureux, tu seras content de vivre ça. Deuxième clé, faire du sport. Voilà, c'est super important de faire du sport. Si jamais tu es bien physiquement, tu seras bien dans la tête, tout est relié. Troisième clé, avoir des actes de gentillesse dans ta journée. Sois bon, aide les gens et tu verras que ça va t'apporter du bonheur. D'accord, il y a vraiment plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quatrième clé pour pouvoir être heureux, c'est de tenir un journal et d'écrire sur papier tout ce que tu as dans la tête. D'accord, donc tu écris exactement tout ce que tu as dans la tête, tout ce que tu as dans la tête, ça te permet de te libérer l'esprit. C'est comme si en fait tout ce qui fait que tu n'arrives pas à être heureux aujourd'hui, eh ben, tu vas le mettre sur un papier et après tu te seras soulagé comme si ça sortait de ta tête. Okay. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Okay. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Maintenant, si jamais tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu as aussi envie de gagner plus d'argent, vouloir créer ton business. Si jamais tu es coach, consultant, que tu as une expertise dans la santé, dans les relations, dans l'immobilier, dans la bourse, clique sur le lien juste en dessous, d'accord, j'ai une masterclass qui est offerte. Elle est spécialement faite pour toi pour pouvoir te permettre de générer 10 000 euros par mois rapidement. D'accord, mes clients, c'est exactement les stratégies que j'ai utilisées avec eux. Je les ai accompagnés pour pouvoir avoir vraiment des gros résultats. Tu verras sur ma chaîne, il y a les témoignages et tu verras un peu les résultats qu'ils ont pu avoir. Sinon, je le mettrai sur le i comme info. Ok, donc si jamais tu fais partie des personnes que je viens de te dire, que cette expertise-là, clique sur le lien qui est juste en dessous pour pouvoir assister à la masterclass. Maintenant, si jamais tu n'as pas d'idée business pour l'instant, tu as juste envie de te lancer, tu sais que voilà, internet c'est le moment de saisir l'opportunité, j'ai aussi une formation qui te permettra de créer ton business en ligne. D'accord, donc c'est dans la description. Maintenant les gars, vous avez tout pour pouvoir vous lancer, il n'y a plus d'excuses. Ok, donc on lâche rien et on reste déterminé.